Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Inoxen. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, les gars, sur GTA 5 en mode LSPDFR. Donc, on se retrouve aujourd'hui en mode LSPDFR en militaire. Donc, voilà, on est en Marines. Donc, là, j'ai pas la tenue de la Marines, mais vous inquiétez pas, ça viendra vite. Mais cependant, j'ai fait pas mal de tests, les gars. J'ai regardé, là, nous sommes actuellement sur le porte-avions, car le pack a rajouté le porte-avions en fait. Donc on a des véhicules français, un nouveau hélicoptère français ici de la Marines, française hein, bien évidemment. Donc il est vraiment vraiment stylé. J'ai des collègues qui sont partis je ne sais où. Enfin bref, du coup là-bas je crois que les gars on a des rafales. Je sais pas si c'est des rafales en fait. Faut que je regarde cela. En tout cas ils sont vraiment stylés. Donc c'est des 118 ED. Donc bah, de l'armée de l'air hein, bien évidemment. Donc là ils sont portés, bah ils sont sur le porte-avions. Donc on va les piloter après hein. Voilà, vous inquiétez pas, après c'est juste pour la vidéo les gars, à savoir. Donc voilà. En tout cas si vous kiffez ce type de vidéo les gars, bah n'hésitez pas à liker. Ça me ferait extrêmement plaisir. Partager, commenter. Et puis voilà. Du coup. On va commencer par quoi? C'est ça la question? Parce que là on va s'entraîner un peu. J'ai les collègues qui sont partis, je sais pas où en fait. Je crois que derrière par contre c'était bel et bien un rafale. Parce qu'un rafale en fait il a qu'une aile en fait sur le côté. Donc ouais. Je sais pas si on peut se mettre en pilote au pire, on va regarder ça. En tout cas les gars, j'espère vraiment que vous aimez bien ce type de vidéo. Au pire vous savez quoi? Ouais, on va laisser ça comme ça. Et on va tout simplement prendre un avion de chasse et on va décoller voilà, tout simplement. Sur le porte-avions, donc on va faire un décollage vraiment stylé les gars. Et du coup on va se caler ça, donc je pense qu'on va aller de là jusqu'à la base militaire, on va devoir. Ok. Ok, donc là on est dedans. Ah ouais, en plus l'intérieur il est vraiment bien fait tout. Hein. Alors c'est incroyable. Ok, parfait. Bon du coup on va avancer un peu l'avion, on va essayer de rien détruire sur le passage, ça serait bien. Ouh là là. Il y a des véhicules derrière, je vais vous faire des tests. On est parti les gars. Allez, c'est parti. Ok, ici Bravo 4 à tour de contrôle, l'autorisation décollée. Ok, c'est bon, on a l'autorisation qui est accordée les gars. Allez, c'est parti. Ah là, c'est une mitraillette. Hop, on range les roues. Hop là. Ok. Oh, c'est vraiment stylé par contre. On peut pas faire ce pont d'avion à côté de nous. Oh, ça aurait été trop stylé. Ah ouais, par contre, il est vraiment stylé hein, l'avion. On va commencer à faire des figures avec. Ah ouais, c'est trop bien. Hein. Incroyable. Bon les gars, du coup moi je pense on va aller à la base militaire hein, directement. On va faire un atterrissage en douceur. C'est vraiment, par contre c'est vraiment badass. J'ai pas regardé tous les avions, donc on va voir ça en pleine vidéo. Je découvre en même temps que vous les gars, à savoir. Donc vous voyez sur la map, regardez, attendez je mets en pause, on a vraiment tout, donc la map de Marseille bien évidemment. Donc j'ai vraiment tous les packs, gendarmerie, police nationale, police municipale, donc on pourra faire des vidéos en brigade cynophile, du coup bah, du GT Canine vu que c'est la municipale après. On pourra vraiment tout faire en fait, même dans la nationale, hein, brigade cynophile on pourra la faire, la gendarmerie on pourra faire des vidéos, on pourra vraiment tout faire. Donc c'est vraiment super. Vous avez vu les gars, normalement en mode online quand vous avez l'avion ça tire que sur les deux côtés, là ça tire que sur un côté. Après là vous avez des missiles. Alors, attendez parce que en plus avec la population en réalité. Oh putain fait tout tout. Oh, aïe 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 aïe. Ah ça tue hein, moi je vous le dis hein. Ok, très bien les gars, on va atterrir à la base militaire. On commence déjà à mettre les roues parce que on sait comment ça va se passer de toute façon après.
On est déjà tout ça en avance, hein. Regardez-moi ça. Waouh, c'est trop stylé, moi je vous dis. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Wow! Wow! Oh, putain, ça rigole pas, moi je vous le dis. Wow, tout ce qu'il y a là. Ah, il y en a un qui décolle, bah regardez les gars. Ah, bien. Vous voulez regarder un décollage d'un avion de transport de l'armée d'air? Maintenant. C'est tellement stylé. Waouh, c'est magnifique. Enfin bref les gars, nous bah, du coup on va garer l'avion, hein. C'est pas haut. Ouais, il y a un truc qui est parti de l'avion. On va le mettre dans l'hangar. Oh là là. Ok, c'est bon les gars, on la gare ici. Hop, on va descendre. Et on va se regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme véhicule, parce que de base le pack, bah là il est pas fini encore les gars, à savoir. Par exemple l'Hydra, je sais pas s'ils ont remplacé un truc par l'Hydra. Oh. Ah, l'Hydra, non, ils ont pas encore fait un truc dessus. Ouais, non. Non, 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 pas encore. L'Hydra, ils y ont pas touché encore. Bon, en tout cas, voilà les gars, le petit aperçu vraiment des véhicules. On va même tester un peu tout en fait, hein, de base. Ah, bah, il y a le tank qui est là-bas. Bah, non, bah, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, ils ont rien fait. Attends, mais si. Si. Le tank il a changé, les gars, on est d'accord. Oui, il a changé. Attendez, je regarde si je peux en faire spawn. Hein. Ah bah il est sorti. Bon, on est en pilote mais c'est pas grave. Fais voir un peu le char là. Oh là là, c'est trop stylé. Waouh. Waouh. Ah ouais. Putain, mais c'est quoi ça les gars? Waouh, c'est incroyable. Ah ouais. Là, mais les gars, je vous dis, moi c'est un truc de malade, hein, ce qu'il y a. Le mec il a vraiment tout mis, hein. Ah ouais, il a même mis le véhicule. Ouais, tu mets juste une remorque et c'est pour les camions de troupes, ouais, c'est bien. Hein. En vrai les gars, c'est vraiment bien. Par contre c'est... Ouais, c'est vraiment stylé. Par contre l'avion là-bas, j'ai pas vu encore si c'est un rafale ou pas. Enfin c'est dur à dire. Enfin bref. Armée de l'air, ah ouais, c'est vraiment stylé. Hein. Allez les gars, on va grimper dedans, on va essayer de faire un décollage propre avec. Ah, c'est oula. Oula, c'est... Allez là la porte. Ah, oula. Ok d'accord, bon ça c'est les petits bugs. Les petits bugs, hein, c'est banal. Ah ouais, l'intérieur qui est fait et tout en plus. Mais c'est un truc de malade, hein, juste. Hein. Wow. On va tourner là. Oh là, je me sens pas. La situation sous contrôle, les gars. Hein, vous inquiétez pas. Avec moi, les gars, faut pas s'inquiéter. Hein. Ouais, faut pas s'inquiéter. Ah oui, non, non, non. Non mais c'est fait exprès. Ah non mais on a vraiment planté l'avion les gars, mais c'est super fragile ça. C'est quoi ça? Non, c'est trop fragile. Ah, bon, on va se faire spawn un truc en tout cas, parce que sinon on va y passer
Voilà. Alors, Military, oui. Alors, faites voir un peu là, qu'est-ce qu'on a? Rhinotang, je sais qu'est-ce qu'on a. Faites voir ce que. Ouais, ça c'est pas. Je regarde un peu tout parce que c'est. Il y a des véhicules, mais c'est même pas des véhicules. Orkanjali. Non, ils l'ont pas remplacé. Bon, c'est pas trop une vidéo LSPDFR, mais bon, on fait des tests. Aftrak, non, ils l'ont même pas remplacé. Mais je pense que c'est parce que là, le mec il vient juste de. Ah, par contre, là, il l'a remplacé. Ah ouais, il est vraiment stylé, hein. Oh, yaya. Ah ouais, putain. Ça, il a pas touché, ça. Ça aussi, il n'y a pas touché. Le baraque. Non. Alors, les gars, je regarde vraiment. Hein. Ah, bah là-bas, en plus, il y a les camions-pompiers. Je sais qu'il y a tout qui a été rajouté, les SAV, les pompiers, il y a les SAMU, il y a les douaniers, il y a la police, il y a la gendarmerie. Enfin, les gars, à savoir, il y a vraiment tout. Ah ouais, lui aussi, ouais, c'est lui qu'on a vu tout à l'heure. Oh là là, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade, les gars. Ouais, mais c'est le même que l'autre. Ouais, bah c'est tout ce que j'allais dire, c'est que c'est un truc de malade. Par contre, pour les hélicoptères, attendez, on va regarder parce que ça m'intéresse aussi. Hop. Oh là. Ok, bah les gars, là, il y a vraiment tout ce qui est faire ici. Oh là là. Oula putain. Waouh! Oula. Ah ouais, c'est quoi ça? Non, pas ça, pas ça. Le trailer. Bon. Non, attendez les gars, est-ce que je regarde vraiment tout le véhicule? On avait carrément un hélicoptère en fait. C'est what the fuck? Ah ouais, non, après, non, en fait, finalement, j'ai cru, mais non. C'était faux espoir. Mais ouais, de fait, par contre, je peux vraiment faire spawn. Plane. Oula. Ah faites-moi pas spawn un avion russe. What the fuck? Mais gars, on a des trucs what the fuck, je vous le dis, moi. C'est juste what the fuck. Mais moi je regarde hein. Putain mais c'est incroyable. Alors, attendez. Je sais qu'on a un P996 laser là ici. Bon Bushka, je crois qu'ils l'ont. Ouais c'est. Ah ils l'ont même pas remplacé. Ah ouais pourtant il y a l'autre là-bas mais c'est. En fait je pense qu'ils l'ont remplacé par le Titan. Si vous voulez. Genre bah. Bah là ils l'ont remplacé, ouais. Bon allez on teste une dernière fois là, on va aller dans les écouteurs, on va regarder et puis voilà après Annihilator. Ouais super. Ah oui, il est en noir, c'est super stylé wesh. Je l'avais jamais vu en or, vous voyez. Alors, c'est pas ce que je voulais voir. L'animateur comme ça. Alors, moi, on regarde un peu tout ce que je peux avoir. Vous voyez, là, la preuve qu'on a des véhicules one-on-line. Bah, comme ça, quoi, en fait. Bon les gars, je pense que la vidéo c'est même pas une vidéo militaire, c'est une vidéo où on regarde un peu vraiment tout en fait. Et what the fuck? J'ai vu des hélicos tout à l'heure, vous voyez, mais j'ai pas le menu en fait avec le F11, non, je suis censé avoir des fucking menus, mais j'en ai pas. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai ce menu, vous voyez, mais j'ai pas l'autre, donc ça pose un peu de problème. Enfin ouais, c'est pas très grave les gars. De toute façon, nous on a regardé un peu qu'est-ce qu'on avait comme véhicule. On a foutu un bordel pas possible sur la piste.
Mais c'est pas très grave, au moins c'est un peu une vidéo où on teste les mods. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars, parce qu'on va pas y passer non plus longtemps. C'était juste pour vous faire voir un peu qu'est-ce qu'on avait comme véhicule. Donc, on a des véhicules. J'ai même pas vu si on avait des bateaux de la Marine. Hein, et de la Navy. J'ai vu que déjà les tenues de l'armée de terre, on est carré. C'est plutôt pas mal. En véhicule, le mec il a pas tout mis, mais c'est déjà assez bien comme ça. Regardez-moi ça, les gars, c'est un truc de malade. Donc là, vous avez des camions transport, vous avez des camions parachutistes. Celui-ci, c'est un camion. Lui, c'est un avion parachutiste. Ouais. Ça tire là. Alors nous on a qu'un pistolet en plus, on s'est même pas mis du nord. Ennemi. Quoi? Ok les gars, ok, il y a des tirs, il y a des tirs, il y a des tirs. Mais je suis culpilote moi. Skin. Ok, il y a des tirs là-bas à proximité là. On va aller voir qu'est-ce que c'est. C'est pas normal ça. C'est là-bas là, ça court. Wow. Ok, on y va les gars. Allez, go. Y'a personne, mais t'inquiète, on y va. Ça court à la courette là-bas là. Ça part à la courette. On a eu l'autorisation de tirer, les gars. C'est retourné comme pour une cible. C'est quoi ça? On va bien aller voir. Ah mais c'est une bête! Pourquoi ça nous a dit que c'était une cible? C'est un singe! What the fuck? Dis-moi pas, il aura le cul de m'attaquer, le machin. Hey! Arrête-toi! Wow! Lève les mains! Lâchez votre arme, monsieur, lâchez votre arme. C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ça? Allez, monsieur, je vous mets les mains derrière le dos. J'ai des menottes sorties du cul, mais c'est rien. Non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pistolet cabireuse est ajouté à votre boîte après pour vérification du mess d'armes. Eh ben, c'est nickel ça, on va aller voir ça après. On va quand même la palper, hein. Qu'est-ce que le monsieur a sur lui? Petite bouteille côté des dents, un éclair, petit sachet de cocaïne. Mais tiens, alors là, mon pote, t'étais mal, toi. Allez. Sport de police au gendarmerie, on va bien voir. Donc là, un transport qui arrive. Attends, parce que nous on va y passer pour. Ah, il est là-bas le véhicule. Pourquoi je vois pas? What the fuck? Et what the fuck, frère? Faut savoir, wesh. Ah voilà, c'est la gendarmerie en plus. Voilà monsieur, je vous laisse. Voilà donc il est arrivé avec un singe. Ah, vous allez pas me croire, hein. Il est arrivé avec un singe dans la base militaire. Il était muni d'une arme létale d'un calibre 50 plus précisément. Donc voilà, il a vu de la cocaïne aussi sur lui. Vous pouvez l'amener monsieur. Et bonne continuation. Ok. Voilà, nickel. Emmenez-le, ouais. Bon, voilà. Bon, là, les gars, c'était la fin de la vidéo. Allez, sur ce, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo où là, ça commencera à être du sérieux, les gars. Allez, sur ce, c'était Noten. Ciao.